Monsieur Gadbin, vous présentez État Tinka ce mardi, qui vous a fait plaisir en dernier lieu. Oui, complètement. Pour une première victoire à ce niveau des gros handicaps, c'est toujours des victoires qui marquent. Et en plus de ça, sur les pronombres de cran, d'où je suis quasiment originaire, donc c'est vraiment une victoire qui m'a marqué. Bon, ce jour-là, sportivement, elle a eu un bon parcours. Oui, complètement. Elle a réussi à filer un dos toute la course pour venir se rapprocher assez facilement. Et même si Fabrice n'a pas pu la solliciter vraiment de son plein gré dans les derniers 200 mètres, puisqu'il a perdu son bâton. Donc la pouliche le fait quand même à ce niveau-là, même si aux abords du poteau, et effectivement, il n'y a qu'un couronné, mais la pouliche est quand même imposée courageusement. Ouais, mais son bâton, elle a quand même donné une vive lutte avec Fortune de Mer. Hein. C'était quand même mal. Oui, non, complètement. Maintenant, il est vrai que la pouliche a bénéficié ce jour-là d'un très bon parcours. Elle a été pénalisée de 3,5 kg. Est-ce qu'elle aura la valeur d'aller contre cette surcharge? Maintenant, la pouliche est restée bien, on verra bien. Mais bon, c'est une pouliche qui est relativement petite physiquement. À voir un peu comment elle peut se comporter, mais toujours est-il qu'elle est restée très bien. On a eu un petit contretemps suite à sa course qui nous a tout petit peu retardé un petit peu dans sa préparation, mais la pouliche paraît très bien. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut en attendre malgré ce contretemps là? Peut-être plus pour en fin de combinaison, parce que la pouliche s'est quand même pas imposée non plus très facilement, mais la pouliche doit refaire l'arrivée et nous refaire plaisir. Mais elle avait bien pris cette victoire hein, quand même, apparemment elle était bien rentrée. Hein. Oui, vraiment très bien, et puis je vous dire, une petite quinzaine de jours après, on a eu un tout petit souci, rien de bien grave, mais voilà, on était obligé de la ralentir un tout petit peu, et on a suffisamment de travail, mais voilà, ça, il est vrai qu'on a été un tout petit peu ralenti et ça nous a un petit peu, diminué un petit peu dans sa préparation, mais la pouliche est restée quand même relativement bien. Nouveau du terrain pour elle? Tout lui conviendra, la pouliche se comporte très bien aussi dans le bon terrain que le terrain souple, voire même lourd, donc ça n'y aura pas de problème. Merci.